Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre book haul. Donc, il va être séparé en deux parties parce qu'il est vraiment énorme. Et si on l'aurait fait en une partie, ça aurait été trop beau. Donc, pour cette première vidéo, je vais vous présenter les livres Vinted, un magazine qu'on a acheté à Alexis et nos livres partenaires. Et dans la deuxième vidéo, je vous présenterai les livres de la boîte à livres. Les livres qu'un ami à mon père nous a donnés et les livres partenaires si on en reçoit entre temps. Donc je commence tout de suite avec les livres partenaires. Donc les éditions Usborne nous ont envoyé Je n'ai pas trop peur du noir de Anna Milburn, illustré par Daniel Rillet avec des centaines de petits trous. Et franchement, et il est vraiment bien parce que du coup, voilà, et moi je trouve ça trop beau. Et l'intérieur est vraiment beau. Je pense que je ferai une vidéo dessus parce qu'il est vraiment très beau. Il nous a envoyé aussi mon petit kit de broderie, mon lama. Donc il me semble qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'auteur. Donc j'ai déjà fait une vidéo, ou une chronique, je ne sais plus, sur ce petit kit, mais c'était une licorne au lieu d'un lama. Donc je vous mettrai le lien de ma chronique ou de ma vidéo ici ou en barre d'infos si c'est une chronique. Et on a mon livre sonore à toucher l'hiver en fait. Donc c'est avec les pastilles et ça sonne. Je continue avec les éditions Kiman. Donc ils nous ont envoyé Petit manchot apprend à nager de Dubraca. De Elitz Rose et Dubraca Kolanovic. Donc ouais, il est vraiment trop chou le petit manchot. Le grand magasin des dinosaures de Lily Murray et Richard Merritt. Donc je pense que Mathis va beaucoup aimer ce livre puisque ça parle de dinosaures. Les animaux les plus étranges du monde. Donc c'est un peu un documentaire, il est vraiment, vraiment hyper beau à l'intérieur. Et il nous en reste deux, il y a L'incroyable aventure de l'évolution de Anna Claire Claiborne, illustrée par Wills Robin. Et à l'intérieur, c'est un peu sur les traces de, du passé. Et j'ai vu que c'était le consultant, c'était Docteur Isabelle de Grotte. Voilà. Et mes petites surprises en papier illustrées par Doane Machel. Et c'est pour faire en fait des petites choses pour Noël, donc par exemple des cartes de vœux, des étiquettes, cadeaux, des petites guirlandes, donc c'est vraiment sympa. On continue avec Grunt qui nous a envoyé mes premières airs de chansons françaises, illustrées par Géraldine Cosno. Donc, écoute tes premières airs de chansons françaises. Donc voilà. Et c'est avec pareil des petites pastilles. Alexis, dès qu'on l'a reçu, Alexis il a tout de suite pris, il a beaucoup aimé. Chez l'école des loisirs, on a reçu 4 livres. Donc, Où est passé Saucisse de Jeanne Leroy et Guyella Bruel. La recette de Sacha Guichon de Anaïs Vauglad. Chien pourri au cirque, donc de Cola Goodman et Marc Boutavon. Donc ça c'est Mathis, il en avait déjà lu à la bibliothèque et il avait beaucoup aimé, donc il a décidé d'en reprendre. Et pour moi c'est Sombre citrouille de Malika Verjouk et Nicolas Pitts, donc publié chez Éditions Rue du Sèvre. C'est une BD, mais en vrai, ça a été
En fait, à la base, c'est un roman donc, qui se présente comme ça. Et je pense que vous allez très vite avoir un retour. Donc, par exemple, quand je vais vous présenter les livres d'Halloween. Parce que du coup, ça parle d'Halloween. Ça se passe un 31 octobre. Et du coup, c'est parfait pour Halloween. Chez Scrimeo, ils nous ont envoyé deux livres. Donc, Sous le soleil de cendre de Claire et Robert Belmas. Donc, ces deux livres, il me semble qu'on les a gagnés à une masse critique chez Bablio. Et Connexion secrète de Lucas Courage. Donc, ça, c'est pour moi, c'est à partir de 12 ans. Et ça, c'est un adulte. Donc, voilà. Et la dernière maison d'édition qui nous a envoyé des livres, c'est Ken Edition. Donc, 3 livres. Il y a Maria épisode 1. Il est vraiment tout petit ce livre. Je pense que je vais lire très vite. Elsie tome 1, une dernière fois de Catherine Franker. Donc je trouve que la couverture est vraiment belle. Et les DIY de Maëlie tome 2, des fourmis dans les jambes de Marilou Addison. Et je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez pas, mais là en fait sur les DIY et sur Maëlie, c'est en bombé. Donc je trouve que c'est super au toucher, c'est vraiment agréable. Donc c'est tout pour les livres partenaires. Maintenant je passe à nos achats. Donc là c'est chez notre libraire. C'est Poppy, Petit Ours Brun découvre l'automne pour jouer dehors pour tous les temps de 1 à 3 ans. Donc avec, il y avait une petite figurine Petit Ours Brun. Donc voilà. Sur Vinted, on a acheté plusieurs livres. Donc on a acheté La fiancée du fantôme de Malika Ferdjouk. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ferdjouk. Donc je ne sais pas du tout. Donc ça c'est pour Mathis, c'est pour Halloween. Et il y a deux livres pour Alexis qui pour Noël. Donc Le plus beau des bonhommes de Monsieur Christina Butler et Tina Majnog. J'ai pas trop. Franchement, je décortique les noms des auteurs, mais en fait, je sais pas trop comment ça se prononce. Et là, en fait, il y a du toucher. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pailleté et c'est un peu râpeux. Et Le Noël du Hérisson, un livre tout doux au toucher. Donc, pareil, de Monsieur Christina Butler et Tina McDougall. Donc, publié chez Milan Jeunesse. Les deux sont publiés chez Milan Jeunesse. Et là, je pense que vous le verrez plus, c'est le bonnet à toucher. Et il me semble qu'à l'intérieur, voilà, le bonnet il est tout le temps à toucher. Je trouve ça trop cool. On a aussi Qui Doc les dinosaures, donc de Nathan. Mes pirates à toucher, publié chez Milan. Donc ça aussi c'est vraiment un beau album. Ma mère m'a acheté Kindra Girl tome 9 sur la piste du trésor de Mocha, publié chez édition Playback. Sauf que en fait j'ai le tome 5, donc du coup il me faut les autres. Et elle savait pas que ça se lit, que en fait ça fait une suite. Mais c'est pas grave. Il y a aussi Le monstre doudou de Raffaella Bertagnolio. Donc c'est publié chez Lire c'est partir. Voilà, un petit album tout parisien. Et La sorcière de Manhattan de Grégoire Valencien. Donc pareil, publié chez Lire c'est partir. Et le dernier livre qui est vraiment très très beau, c'est les albums Kiddy Doc, Les Dragons. Donc là, vous avez des choses à bouger. Et c'est pareil sur tout le monde du livre, vous avez des choses à déplier et tout. Moi je trouve ça vraiment très ludique. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. J'espère que vous avez fait qu'il y a certains livres que vous avez vouloir envie d'acheter parce qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez certains livres que vous avez lus, certains livres que vous avez reçus ou si vous avez envie d'en acheter. Tout le lien des chroniques
seront en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à commenter, à partager avec vos amis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte.